Bonjour, on se retrouve en Ukraine pour un nouveau point de situation au 11 juillet 2022. Alors tout d'abord, quelques informations générales. L'Ukraine va recevoir 4 iMars supplémentaires, ce qui va porter leur total à 13, avec peut-être des obus qui portent à 300 km, mais cette information n'est pas encore confirmée. En parlant des iMars, alors voici une carte des dernières frappes donc de ce lance roquettes multiple. Sur le théâtre d'opération. Donc, d'après cette carte, on peut voir que la ville de Kherson a été visée, tout comme Novakakova, le sud de Kherson aussi, la ville de Melitopol. Mais d'après cette carte, ce qu'on peut constater, c'est que le secteur de Donetsk est particulièrement visé, donc avec euh, cet armement. Également, donc euh, dans l'est, Izium et également à l'est de Kharkov. Donc toujours avec ces HIMARS, au niveau des coûts, on est à une roquette coûte 150 000 dollars, donc x6, donc ce qui équivaut à une salve, coûte le prix de 900 000 dollars. Et la semaine dernière, 8 dépôts de munitions russes ont été bombardés grâce à ces HIMARS. Le ministère de la Défense ukrainienne revendique presque un million d'hommes mobilisés actuellement, donc parmi ceux-ci, nous avons donc 700 000 hommes dans l'armée. 100 000 hommes dans les forces de police, 90 000 hommes dans la garde nationale et 60 000 gardes frontières. Ces derniers jours, le président Zelensky a démis de leurs fonctions plusieurs ambassadeurs, ainsi qu'Andrei Yermak, qui était soupçonné de collusion avec les Russes. Et enfin, il n'y aura pas de dôme de fer en Ukraine. Donc, pour rappel, le dôme de fer est un système antimissile israélien, mais ce dernier a été jugé inadapté pour l'Ukraine car ce dôme de fer est très efficace contre les roquettes à faible altitude et assez lentes, comme on peut le voir euh, des roquettes tirées depuis la bande de Gaza. Par contre, ce dôme de fer n'est pas efficace contre les missiles balistiques et de croisière russes, trop rapides et qui volent trop haut également. Ensuite, on va se porter maintenant donc, sur le terrain. Donc, dans, au nord-est de l'Ukraine, il y a toujours donc, des bombardements de part et d'autre sur, sur quelques villages. Ukrainiens et russes. Dans le secteur de Kharkov, la ligne de front est stable, mais avec des combats toujours sur Sosnitka, Prodianka et Pitomnik, ici. Et à l'est, il y a également donc, des combats de nouveau donc, sur Obizne, sur Verni-Saltif, Bayrak et également Ukrainka. On note également donc, dans ce secteur la présence du bataillon euh, Kraken, ici sur Stari-Saltif. Et enfin, la ville de Kharkov a été bombardée ces dernières 48 heures. Je vais dézoomer. Maintenant, on va aller maintenant dans le secteur de Izium-Slavyansk. Ici. Donc le front est stable, comme vous pouvez constater. Toujours donc des combats dans le secteur de Krasnopilia, Dolina et Borodichnie. Ici. Et ici, sur sirodovier j'ai des informations contradictoires. Donc j'ai repassé euh, la pastille en noir. Ensuite, on va aller sur l'Est à proximité de Siversk, donc Siversk est ici, donc bien à l'est de Slavyansk. Donc à l'est de Siversk, il y a toujours des combats ici, dans cette zone grise. Les Russes contrôleraient Rio Rivka, et en ce qui concerne Bilo Rivka, les deux parties annoncent contrôler la ville, donc je laisse la pastille noire ici. On continue sur la ligne de France, pyrénées serait maintenant également disputée. Alors de sources ukrainiennes, Mikolaïvka est sous contrôle russe, donc je l'ai reporté sur la carte. Les combats font toujours rage au nord-est de Soledar, sur cet axe. Dans le secteur de Bakhmut, il n'y a pas d'évolution de la ligne de front depuis vendredi. A noter tout de même l'arrivée sur la ville de Bakhmut de la 25e brigade aéroportée ukrainienne, pour assurer la défense. Et également, il y a eu un bombardement à l'ouest de Bakhmut ce week-end sur Chasiv Yar, ici où un immeuble a été touché, ainsi qu'un hangar avec des munitions pour obusier de M777. Le reste de la ligne de front est stable, pas d'évolution depuis vendredi dernier. Idem sur Donetsk, donc la ville de Donetsk y est toujours bombardée, et notamment des infrastructures civiles, comme sur Yar euh, où il y a eu donc des pertes civiles, mais il y a également des pertes civiles sur Donetsk et les environs. En parlant de Donetsk, les autorités ont condamné deux militants du régiment Azov à la peine de mort. Les combats continuent sur la ligne de front. Pas d'évolution dans le secteur de Vouledar ici. Et enfin sur la ligne de Zaporizhia, il y a des nouveaux combats donc, euh, au sud d'Orikhiv et de Ulyalpol. Donc J'ai étendu la zone grise. Donc, des combats sur Nesterianka, sur Mala-Tokmashka, Doroznianka, et Novoselivka, donc ce qui correspond à des attaques euh, locales des Ukrainiens. Ensuite, sur le front de mykolaiv kherson la ville de Kriviri, qui se situe ici, a été bombardée. Euh, la route entre Radouchnie et Krasnipid a été minée ici. Donc. Ensuite, sur le nord de ce front, le village de Zelenodolsk a été bombardé. Et euh, une base provisoire de l'artillerie ukrainienne a été détruite dans cette commune. Ensuite, sur la ligne de front, toujours des combats sur Dobrianka, Potomkine sous contrôle ukrainien, Visokopila sous contrôle des Russes, et Ivanivka sous contrôle des Ukrainiens. David Ibrid reste sous contrôle russe. Il y a des combats à l'ouest de ce village. nouveau Ryorivka. Ici, La commune de Lozové est revendiquée par les deux parties, donc j'ai passé en pastille noire. rivka reste toujours contesté. Et enfin, le secteur donc, à l'ouest de Kherson, il y a donc des combats ici. Oleksandrivka est revendiqué également par les deux parties, donc j'ai repassé en pastille noire. Et il y a donc des combats ici et sur Chiroko-Balka. La ville de Mikolaïf a été bombardée. Également euh, Kherson, mais un nombre euh, conséquent de missiles a été intercepté par la défense antiaérienne russe dans ce secteur. On note également des renforts russes venant de Crimée. Donc la Crimée est ici, donc par euh, chemin de fer, avec des T-72 et des BMP-3. Donc voilà, pas d'informations sur euh, l'île des serpents ces dernières 48 heures. Donc en résumé pour le 11 juillet 2022, le front est stable il n'y a aucun gain territoriaux au profit des Russes ces dernières 48 heures. D'ailleurs, le ministère de la Défense russe a annoncé une pause opérationnelle. Il y a des combats localisés dans la zone de Zaporizhia, donc la zone grise a été étendue vers le sud. Alors il n'y a pas de mouvement offensif russe à l'est, mais par contre leur artillerie reste très active en bombardant les positions ukrainiennes. Et les combats continuent sur le front de Kherson et notamment à l'ouest de la ville. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt